Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 26 de Jouons ensemble à Minecraft. Alors, aujourd'hui, ce que je veux faire, faut toujours que je passe par ma base là, pour revenir ici. Alors, ce que je veux faire, c'est qu'on va préparer tout de suite la partie pour descendre en bas au mineshaft. J'ai déjà pris les coordonnées pour y arriver. Alors, on va descendre jusqu'au Y8. Alors, ce que je vais faire à l'instant, on va enlever directement le. On va faire le même carré qu'on a en haut là, présentement. Bon, il aurait fallu que j'apporte une hache, peut-être. Mais c'est ça. Alors, ce que je veux faire, je pense que j'en ai pas ici. Faudrait que je descende mes outils et tout ça de ma base en haut. Est-ce que je peux aller faire immédiatement là, pour aller la chercher? Là, c'est ça. Je vais enlever ça pour l'instant parce qu'on n'aura pas besoin tout de suite. Il faut que je descende jusqu'au niveau 8. Alors, et j'ai déjà mes coordonnées. Je vais faire mon mineshaft à cet endroit-là. Je vais amener une hache, n'importe quelle hache. Là, je suis pas obligé d'avoir. Bon, j'ai juste ça. Ok, je vais l'apporter celle-là. De toute façon, j'en ai deux. Les deux, j'ai enchanté, ont la même chose, là. Toucher de soi, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Toucher de soi, ce que ça permet, c'est quand je brise la vitre, on récolte le verre, évidemment, sans briser complètement le verre. Alors, c'est pratique quand on veut pas briser la vitre. Alors, je vais faire le même carré. Comme ça. Je pense que c'est... Oups, c'est un trou, je crois. Non, je pense que c'est correct. Ouais, c'est ça. Bon, faut faire que je déplace quelques... Comme mon lit, faut faire que je déplace et tout ça. Alors, je vais creuser comme ça. Le même chemin. Oups, un trou. Deux trous. Comme ça. Bon, je vais laisser ça là pour l'instant. On le fera par la suite. Alors, c'est ça. Alors, je vais creuser comme ça jusqu'au niveau 8. Et je vais revenir pour vous montrer ce que je vais faire par la suite. Alors, je le mets sur pause et je vous reviens. Je suis de retour. Alors, et voilà mon corridor pour me rendre... à mon mineshaft. Alors, tout le long également, je vais. On va creuser de chaque côté pour faire. Pour miner, dans le fond, pour avoir du fer et de la redstone et tout. C'est pas trop loin, là, c'est pas si pire. Alors, j'avais commencé à creuser par l'autre côté parce que je savais que j'étais pour m'en venir ici. Alors, comme vous avez remarqué, je mets des petites notes aussi. À la fin, il y a des grottes, des caves. Alors, ce que je fais, c'est quand j'ai plus beaucoup d'expérience, j'y vais. Et je fais mon expérience, car dans les caves, c'est là qu'on fait le plus de ressources. On ne gaspille pas des pioches non plus pour rien. On mine juste ce qu'on a besoin et on n'a pas à miner de la roche et tout ça pour rien. Alors, c'est ce que ça donne pour l'instant. Là, comment que ça va fonctionner? Je vais continuer ici. C'est ça, j'ai déjà préparé au moins pour la voie ferrée. Ce que je vais faire, c'est... Je vais aller vous montrer là, si je suis capable de me rendre. Ce que je vais faire, c'est descendre la voie ferrée en bas. Ça va aller plus rapidement et peut-être aussi faire monter les ressources. Alors, au lieu de remonter en haut pour mettre dans le coffre, avec une voie ferrée, ce que je fais, c'est qu'il y a un chariot qui va monter jusqu'en haut et qui va aller porter dans le coffre en haut et va laisser tous les éléments, là, les roches, les diamants et tout, dans les coffres pour aller dans le trieur automatique. Alors, c'est ce qui est mon but. Ça va descendre en spirale comme ça ici. Et évidemment, ça va me permettre de descendre aussi plus rapidement. Ce que je peux faire aussi, ou ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit truc. Je vais juste le mettre à la bonne place. Je vais mettre dans le coin ici, juste pour vous montrer. Ce qu'on peut faire aussi pour descendre plus rapidement,
on met de l'eau comme ça. Voilà, on peut monter comme ça. Ce sera pas long. Faut juste pas que je me trompe de coin parce que là, c'est vraiment dans le coin opposé là. Ce sera pas long, il va se rendre. Ok. Ah, c'est bien dans ce coin-là, je veux juste être sûr. Appuyons sur Shift, oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se laisser tomber. Ok, ce qu'on fait, c'est ça. Coller le mur. Et voilà. Comme ça, on n'a pas de dommages, même si on tombe de plusieurs étages. Aussitôt qu'il y a de l'eau en bas, on peut faire ça. Alors, là, je vais l'enlever, mais je pense que c'est le même que je vais faire pour commencer. Mais j'ai besoin de mon eau, là. Comme vous avez pu voir, il y a de l'obsidienne. Alors, quand je suis allé là, j'ai quand même croisé de la lave et tout ça. Là. Partout, ce que vous voyez, qu'il y a de la roche. Alors, c'est où j'ai frappé de la lave. On l'entend également. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ce qu'on va faire... Ensuite, ce que je pourrais faire, je vais remonter en haut et je vais vous revenir. Et voilà, je suis de retour. Alors, ce que je vais faire pour éviter de tomber, on va faire ça comme ça. Évidemment, ah non, avant de faire ça, j'ai oublié de faire quelque chose. Parce que là, on voit... Oups! On voit que c'est des demi des dalles dans le fond. Il faudrait que j'aille des... On va en faire quelques-unes. Juste des blocs complets. 1, 2, 3, 4. Mettons, on va faire ça. Ça, on devrait en avoir assez. Ok, fait que... Alors, dans le fond, je vais faire ça ici. Oups, tombe en bas, mais c'est pas grave. Je vais le mettre ici aussi. Là. Je vais mettre des complets. J'ai mis des dalles parce que ça utilise moins de bois pour couvrir un plancher. Alors, pour au lieu d'utiliser un bloc, on utilise un demi-bloc. Alors, c'est mieux. Voilà. On va juste mettre ça. Il faudrait que j'aille là. Je vais essayer de pas tomber pour pas perdre mes 16 expériences. Oups, j'en ai besoin un peu plus. Ok. Bah, on avait juste assez. Ok, alors là, je vais mettre la clôture. Je sais pas si je vais en avoir assez. Pire, je vais en faire d'autres. J'ai d'autres bâtons, je crois. Oups. C'était trop rapide. Ok, il m'en manque quelques-uns. J'en ai pour trop. Il m'en manque 3 peut-être, 4. Et j'en aurais pas assez. Il va falloir peut-être que j'en fasse d'autres. Comme ça. Non, c'est comme ça ici. Ouais, j'en ai juste pour 2. Il m'en faut plus que 2. Ok, ce que je vais faire... Bon, j'essaie de sauver un peu de ressources, là, mais bon, je pourrais en utiliser plus que ça. Oups, comme ça. Tiens, comme ça, je vais en avoir assez, c'est sûr. 10, 10. Et voilà. Alors, il n'y a plus de chance que je me lance en bas. Je pense que c'est ça qui est arrivé tantôt. Je me suis vraiment lancé en bas. J'ai perdu mes 38 XP, malheureusement. Bon. Ok, et ce que je voulais faire également... Je voulais monter le mur au complet en planche de bouleau comme ça. Alors, il va falloir que je creuse tout le long comme j'ai fait ici. Il va falloir que j'y aille comme ça. Là. Comme ça ici, là, tout ça, je veux ça comme ça. Alors, c'est ce que je veux. Alors, je peux commencer par ce mur en premier. Je vais y aller par étapes comme ça. Je vais aller jusqu'à où je peux aller en étant sur la surface plane ici. Ensuite, je vais y aller en montant. Comme ça. Ok, lui, je vais pouvoir le monter tout de suite. Comme ça. Oups.
monter dans de deux comme ça. Oups, j'ai pas monté. Et je vais monter en haut comme ça tout le long. Alors je vais faire ça et je vais vous revenir à la suite. Je vais pas vous montrer tout ça. Je pense que c'est une chose assez simple à faire. Et ça pourrait être long pour vous là, à regarder, juste me regarder faire un mur en montant. Ça peut être assez plate. Alors je vais faire ça et je vous reviens. Et voilà. Alors j'ai terminé présentement. Et ce que ça donne? Ça donne ceci. Alors on peut accéder à notre mineshaft maintenant. Alors je sais pas si j'ai le temps, il me reste un petit peu de temps. J'ai retombé encore, mais une chance, je suis pas mort. J'ai comme oublié de mettre un bloc pour mettre mes choses et je suis tombé, mais il me restait comme un demi-cœur. Alors j'étais vraiment sur le bord. Là, ce que je voulais faire, je vais dormir vite. On va peut-être essayer d'aller récolter ce qu'il y a dans la ferme de blé et de. En tout cas, de légumes. Alors je vais me dépêcher. Terminer l'épisode. Juste vous montrer comment. Ben, je pense que je l'avais déjà montré comment ça fonctionnait un petit peu. Mais bon, avec tout ce qu'il y a là, alors, ben, je replante après ce qu'il y a dedans et tout. On va aller faire ça immédiatement. Les araignées ne sont pas méchantes, mais l'autre, oui. Est-ce qu'elle m'apporte? Je pense qu'elle s'attaquait. Ouais, c'est ça, sont en train de s'attaquer, l'araignée. Bon, on va faire ça rapidement. Et voilà. Alors, c'est ce que ça va donner. Ça va tout aller dans le coffre en bas. Bon, évidemment, je ramasse ce qui tombe, là, mais bon. Ici, on voit tous les éléments tomber. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout tombé. Alors, on peut rééteindre ça. Je peux passer ici là, pour ramasser, mais je devrais pas ramasser grand chose. Il devrait plus rester grand chose. Des patates. Alors, c'est ce qui va terminer. Je vais juste montrer là, que ça a bien quand même ramassé. Il reste quelques petites choses, là, mais je sais pas s'il y a un moyen d'éliminer cette perte. Mais bon, alors c'est ce qui termine l'épisode numéro 26. On se rejoint pour l'épisode numéro 27. Merci. Au revoir.